Season 2 here! Merci beaucoup tout le monde de nous suivre et continuer s'il vous plaît. Shirley? Oui? Es-tu prête? Oui, je suis prête. Parce que les autres sont prêts. Bye! Que j'avais pogné parce que c'est sûr, en poly, là, à un moment donné, là, j'étais quelqu'un qui avait comme. Vraiment, je te dirais, j'étais comme un volcan, comme sur le point de péter. Wow. J'avais un mindset qui était vraiment pas bon non plus. Puis, quand j'ai rentré en poly la première journée, ça a été. Ma mère m'a. J'étais en poly, quand j'ai revenu le soir, elle a dit, pis comment ça a été à poly? J'ai fait comme la bonsoir, mais ça va être 4 ans qui va être long. Ça a été ça, ma. Wow. C'est une first impression c'est déjà un peu déstabilisant, arriver d'une école grande avec tout le monde, de juste trouver ta classe et you pis tout ça, c'est comme avec les plus vieux, puis là en plus t'ajoutes ça, oui. Tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de décrochage scolaire à cause de ça. Oui. C'est ça. Il y en a. Ouais. Il y en a, puis c'est pas toujours tout le monde qui a la chance aussi d'être coaché. Ouais. À ce niveau-là. Okay. Ça fait que même les journées d'aujourd'hui, dans les années d'aujourd'hui, les décrochages scolaires, ça, à mon avis, ça devrait pas. Ça devrait pas arriver. Ça devrait être prévenu. C'est ça. Ouais. On devrait pouvoir prévenir certaines choses, puis donner un coup de main ou assister les gens un peu plus. Absolument. Comme toi, Polyvalent, pendant que tu vivais tout ça, t'avais-tu quand même. Tu donnais-tu le droit de vouloir, tu voyais-tu fait une job plus tard où tu disais que tu avais des blocages partout et que tu ne pourrais jamais rien faire? Non, moi, honnêtement, côté travail, ça m'a jamais, comme je ne me suis jamais mis de blocage. Comme du côté marché de travail, ça a super bien été. Okay. Puis, tu sais, comme, je n'avais aucun blocage sur ce côté-là. Je ne me mettais pas de barrière, je ne me disais pas, c'est pas accessible, je pouvais me rendre, ça, je le savais. Puis, t'avais-tu comme un rêve à Polyvalente, une job? Qu'est-ce que tu avais avant que tu voyais c'était quoi dans l'écologie? T'avais-tu quelque chose? Je dirais que c'était un peu flou, là. Comme, okay. J'étais préposée, là, tu sais, comme je travaillais les semaines, j'ai fait de l'aide à la famille, j'ai été préposée aux soins il y a longtemps. Ok. Mais, dans le fond, j'ai appliqué, la dernière année de polyvalent, j'ai appliqué au CCNB de Dieppe pour le cours de technique d'intervention en délinquance. Oh, wow! J'ai été acceptée. Wow! Parce que justement, mon tour de famille me donnait accès à ça, puis je me disais, bon, intervenante, ça va être. Tu sais, je me disais, ben, t'es bien, tu sais, comme, je vais plus les comprendre que d'autres, vu que moi-même, tu sais, j'ai des choses que, comme, j'ai de la difficulté avec. Moi, je suis tellement pour ça, dans n'importe quoi. Les senseuses-là qui l'ont vécu, il n'y a rien de mieux que d'autres pour les comprendre. Comprendre. Ouais. Dans n'importe quel domaine. Okay. Fait que tu te laisses pas y aller, ou? Non, j'ai été acceptée, j'y ai été. J'ai été l'année, septembre qui a suivi de ma graduation de la poly. OK. Dans l'été, ils nous avaient dit qu'il fallait que j'aille au CCNB Dieppe pour faire sûr que j'ai tous mes outils, que ça soit tout prêt, que mon plan d'intervention, mes accommodations, tout, c'est prêt, ça accouche. Ah, oh, c'est ça qui t'a ouvert la porte, genre, à vraiment... Oui pis non. Oui pis non. Okay. Okay, je vais te laisser continuer, je me suppose que je m'en vais. Moi non plus, j'étais pas là à l'époque. Ah, oh, Serge! C'était Serge! Fait que dans le fond... Me v'là où c'est s'est dans l'été, on planifie toutes les choses, tout est correct. Là, je suis comme, OK, bon, mais tiens, comme, j'avais des outils que j'avais pas à poly. C'était quoi tes nouveaux outils? C'était ton laptop, là. J'avais un laptop avec Antidote dessus. J'avais WorkQ. Je me rappelle. Oui, c'est ça. Je m'en rappelle presque plus. J'avais, dans mon laptop, j'avais des programmes qui m'aidaient à lire, corriger mes fautes. J'ai eu une SmartPen. Tout ça, j'étais toute crinquée. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme là, c'est sérieux, là, c'est plus sérieux que la poly. Puis je me disais, mon Dieu, mes chances de réussite pour moi, là, c'était comme au-delà. Wow. Mais là, j'étais pas encore au collège. On s'entend quand j'avais eu ma rencontre. Okay. Fait que là, me vu-là, rentrer en septembre, on rentre. C'est différent le collège, on parlait de la polyvalente, puis tout ça. Fait que je m'attends à ça. Puis je m'en vais au secrétariat pour parler avec la personne, justement, que j'avais parlé dans l'été. Où ce qui sont mes outils? Ben, ils sont pas encore arrivés. Ils vont arriver comme bien vite, là. Stresse-toi pas, mais ils vont arriver bien vite. Ouais. Fait que. Là, les semaines se sont écoulées, et des semaines et des mois. Oh wow! On s'entend que la gap que j'ai pas eu de... Des mois? Oui, ça a été un semestre au complet. J'ai eu mes... Oh
drôle et tu devais... Comment ça fait ça? Ben, honnêtement, j'ai réussi certains cours. J'avais de la grammaire française et anglaise, ça faisait deux fois que j'en faisais. OK. J'avais pas eu mes outils. J'ai eu, là, la semaine de la congé de Noël. C'est... Les examens sont passés, la période d'études est passée, j'ai un semestre écoulé. Fait déjà quatre fois, ben deux fois en français puis deux fois en anglais que j'essaie de refaire le cours de grammaire. Que temps. Je ne passe pas. Les autres cours, j'y passe. Fait que là, tout contente, j'ai mes outils. Bon, dans le temps de Noël, ben là, je suis en train de m'amuser avec ça, passer de défricher ça parce que j'ai pas eu encore d'encadrement. Ça fait quatre mois que t'as pas eu la rencontre non plus, c'est ça? Ouais. Ben dans le fond, je dis, j'avais pas eu mes outils tout ce temps-là. Ok, ouais. Ils t'ont pas montré quand t'étais à ta rencontre, là. Non, ils n'avaient pas eu. Fait qu'ils commandent ça. Puis quand ils ont commandé, ben c'est ça, j'ai eu vraiment la dernière semaine. Je te dirais, je pense que là, c'est comme deux jours, puis c'est le congé de Noël. Fait que, me vu là que j'ai un semestre déjà écoulé, on s'entend que comme ça n'a pas été facile parce que comme... Mais ça va être drainé. Finirait. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu apprennes tes outils tout seul. Ouais. Okay. Fait que là, j'ai mes outils dans le temps de Noël, je joue un peu avec ça, c'est de me mettre à l'aise avec ça, parce que, un, je sais pas tout ce qu'ils font, parce qu'il y a des nouveaux outils. Fait que là, la Smart Pen, j'étais tout contente parce qu'ils m'ont expliqué qu'est-ce que ça faisait. Ça lit, ça record pour toi, dans le fond. Tu prends des notes, tu peux juste faire une étoile puis ça va t'en ramener au même moment. Fait que moi, j'étais tout contente, j'étais comme, mon Dieu, ça va être la paix pour prendre les notes dans la classe. Ouais. Tu sais, je vais entendre la prof, puis en même temps, ben, tu sais, comme, ça va me faire des points. C'est comme des repères avec ma prime. Tu peux te concentrer à l'écouter, de faire un petit symbole, de dire OK, faut que je me souvienne de ce bout-là quand on parlait de quelque chose, puis là, tu cliques là-dessus avec ta plume, ça te ramène où est-ce que la prof dit quelque chose. Exactement. Ça donne aussi exactement le ton de la voix que la personne a. Ça a recordé l'enseignant. Ouais. Wow. Puis si le monde riait parce qu'il y a eu une joke, ben ça te remémore, puis ça te remporte à l'endroit. L'émotion connue. Ouais, beaucoup Wow. Ouais. Ah. Ouais. OK. Fait que là, tu figures ça. Fait que tu trippes sur ta peine. Ben, j'étais tout contente. Ouais. Je me disais, comme l'utilité qu'elle emportait. Je me disais, mon Dieu, tu sais, ça va vraiment m'aider, ça va faire une grosse différence. Okay. Finalement, j'ai jamais marché la Smart Pen. Ah. Fait que, en revenant de Noël, je m'en vais voir des techniciens au CCND, puis j'ai dit, la Smart Pen, y a-tu, c'était bien moi qui, honnêtement, je sais pas comment m'en servir, mais elle n'a pas l'air marché, là. Il me dit, check ça, une couple de minutes, puis il me dit, ben, ta Smart Pen n'est pas compatible avec ton laptop. Alors que? Il y a des particularités qu'il faut faire pour la connecter avec ton laptop, puis le technicien ne savait pas. Fait qu'elle aurait pu être connectée. Voilà. Il y avait peut-être bien une heure pour faire la calage chercher. D'après mon expérience, parce que c'est moi qui connecte pour les gens au Nord-Ouest, donc je sais comment la connecter, je sais comment faire la connectivité entre les deux. Mais oui, là, il y a un petit bout que je ne comprends pas. La Smart Pen, là, qui commande ça, c'est qui est en charge de commander ça, ces outils-là? C'est comment ça revient à vous autres, là? Ben, okay. La plume, là? Ben, comme le cours que je fais tout de suite, il était pas là. OK, ça, non, je sais, mais toi, ça fait depuis les années 80, ça existe, Neil Squire? Neil Squire, oui. Mais il n'y avait pas ça. Mais à l'époque, quand on était au collège communautaire, c'était la personne qui s'occupait des troubles d'apprentissage qui faisait venir ces équipements-là. OK. Il y avait une personne, ressource au collège qui s'occupait des élèves. La technique. C'est ça. Okay. Bon, maintenant, cette personne-là, l'enseigne pas. OK. Elle est juste là pour commander. Pour commander, puis faire d'autres travaux aussi. Là. C'est pas un coach. Leur job est complète, eux autres, là-bas. Crément. Non, mais comment tu fais pour apprendre à travailler avec ça? C'est bien beau. Donne-moi un... Voilà. Maintenant, dans les dernières années, dans les dernières cinq ans, depuis que je suis avec Neil Squire, je me suis impliqué là et c'est moi qui lui donne la formation au collège communautaire. Donc, c'est comme ça que José, son dossier, est venu sur mon bureau. Okay. Bon, ben, ils ont mis un bout de. Mais là, justement, ton deuxième semestre, ça s'est passé comment? Parce que tu as resté pas de peine tout ce deuxième semestre-là? Oui, j'ai fini ma première année. Okay. J'avais ma Smart Pen qui, dans le fond, était juste là. Pogner la poussière, puis imaginer qu'est-ce que ça aurait pu me donner, honnêtement. Ouais. C'est parce que je me disais, ils m'ont tellement parler de gros de ça, puis que ça allait me servir beaucoup. Et là, je me dis,
mais voyons donc, là, tu sais, là, je peux pas m'en servir parce qu'il est pas compatible avec l'ordi, puis là, on peut pas recommander nos ordinateurs, puis nos smartphones, ça coûte de l'argent, c'est de l'argent, de l'argent. Fait que ça a resté que j'ai appris à développer une petite connaissance avec les outils que j'avais dans mon ordi, quelque chose pour corriger, puis la lecture de mes textes, puis tout ça. Tu t'as débrouillé même. Le mieux que j'ai pu par moi-même. Puis là, rendu vers comme. C'est le printemps à peu près qu'on va faire des stages. Là, ils m'ont coupé mes stages parce que là, j'avais pas passé ma grammaire. Puis, de français puis anglais du premier semestre ni du deuxième, parce que le deuxième, j'ai pas passé le premier, je peux pas aller au deuxième. Ouais, ouais. C'est au deuxième semestre de français puis anglais. On continue à taper sur la tête. Ouais. Puis là, c'est le même plus pattern. Plus de bâtons les roues pour toi encore. Ben, d'autres choses à recommencer. Ouais. Puis là, elle a vécu ça à partir de la maternelle, aller jusqu'à la première année de collège communautaire. Toujours, toujours se faire taper sur la tête. Se faire placer à l'écart. Ouais. Tu peux pas aller faire tes stages parce qu'il te manque un peu de français. Là, ton volcan, tu es érupté à ce point-là? Ben là, j'ai juste fait comme... J'ai fini mon sommet, ça était ça. Tout le monde était en stage. Moi, j'ai resté à continuer à essayer de passer ce français-là du premier semestre. Wow. On parle d'un cours du premier semestre, on est rendu au troisième. Ouais. Fait que... J'étais choquée, j'étais déçue. J'avais trouvé la station de stage que je voulais absolument, puis... Là, je pouvais pas y aller. Honnêtement, j'étais déçue, j'étais choquée. Fait que finalement, l'été a passé, j'ai travaillé, j'ai retourné aux études à Dieppe parce que mon cours était 2 ans. Fait que rendu à ma deuxième année, j'ai rentré en septembre, puis là, j'étais comme, Smart Pen marche pas plus. Ma grammaire française n'a pas passé du premier semestre de la première année. Hein. Donc, faut reprendre. Faut encore réessayer de reprendre ça parce que je sais plus combien de fois j'ai essayé de passer ces cours-là puis je les ai pas passés. Fait que là, la pression montait puis là j'étais comme non, oublie ça Josée là, t'atteins pas là, ça marche pas là. Fait que la journée d'inscription, j'ai tourné de bouche, je me suis remettée à mon appart. Puis après ça, j'ai appelé au CNB en disant que c'était terminé, que c'était ça. Puis après ça, j'ai retourné sur le marché du travail pendant un bon bout, jusqu'à après de passer. Mars, je sais plus. plusieurs années, dans le fond, tu as été sur le marché du travail. Oui, okay. Oui. Là, puis là, qu'est-ce que tu as décidé de retourner aux études? Ben, c'est que là, je me suis dit, mon mindset n'est plus pareil que ce qu'il était quand j'étais en poly au collège. Puis là, je me disais, tu sais, comme, plus que ça va, plus que. Il demande beaucoup des cours. Comme, tu sais, tu veux un emploi, ben ça te prend point. Avant, ça ne te prenait pas de 12e année. Et ensuite, ça te prend une 12e année, ça te prend quasiment un cours d'université pour. Pour passer le balai. C'est ça. Tu sais, comme. Fait que là, je me disais, tu sais, comme, je suis maman, fait que, tu sais, comme, je me dis, je veux le mieux pour ma fille. Fait que, tu sais, comme, je veux faire de quoi, puis je veux montrer que, tu sais, je peux réussir. Puis, tu sais, pas un qu'à y montrer à elle, mais à moi et tout. Fait que, dans le fond, j'ai trouvé un cours qui se donnait en ligne avec le CCNB. Puis, je me suis dit, je vais mettre ma ligne à l'eau. Plusieurs années ont écoulé, là, on s'entend, là, comme... Il y a eu du temps à avoir du changement puis d'amélioration. Ouais. Fait que, c'est ça que je me disais. Fait que je me dis, il y a toujours place à du bon quelque part. Fait que, j'ai appliqué, j'ai été acceptée. Là, moi, ma priorité numéro 1, c'était, je veux mes outils d'accommodation du début. Puis je veux savoir comment m'en servir. Puis je veux faire sûr qu'il marche avec mon ordi, puis c'est compatible. Ouais. Tu sais, puis... Ça avait quoi faire, cette fois ici. Exactement. Je savais... Tu sais, des fois, là, faut... Même si on a tous les outils du monde, tant que t'as pas... Faut tout le temps persévérer, puis faut tout le temps... Oh, là, t'es décidé. Tu sais, on se rend à un point que, OK, là, faut que ça marche. Là, tu sais, faut pas lâcher, je pense, puis... Des fois, on est patient pour des mauvaises choses. Ouais. Tu étais beaucoup patient de dire, ah, oh, c'est pas arrivé, ah, oh, c'est pas arrivé. Tu sais, à un moment donné, le gars, il a dû choquer et dire, hey, c'est ça que je veux dire. C'est mon argent, là, comme tu veux. Tu fais mais là, t'es arrivé à ce stade-là, de now. Le mindset était vraiment comme beaucoup plus là. Puis, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Je savais que, tu sais, comme. Je savais que ce que je voulais dans le fond. Carrément. Puis, t'es la claire. C'est ça. Puis j'ai essayé de dire, comme moi, je veux vraiment faire archi sûr que tout est aligné, que je savais que ce que j'ai à faire, puis tout, honnête. Parce que sinon,
oublie ça, on va canceller ça tout de suite. Wow. Donc c'est à partir oui. de là. Oui. C'est à partir de là que son dossier est arrivé sur mon bureau. Wow. J'ai dit, bon, ok, c'est qui? José. Je l'appelle. J'ai dit, écoute, j'ai besoin qu'on se parle, j'ai besoin qu'on fasse une évaluation de tes technologies d'assistance. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu as besoin. Et maintenant, au niveau provincial, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Société des timbres de Pâques. Non, timbres de Pâques, non. La Société des timbres de Pâques, aujourd'hui, ils sont là pour prêter des équipements, donc un ordinateur, Antidote qui fait la correction puis l'écriture, WordQ qui fait la prédiction de mots, donc ça aide à l'écriture. Mm. Toutes les autres technologies, comme on parlait tantôt avec la Smart Pen, la C-Pen. La C-Pen, elle, tu as un magazine, puis tu passes le magazine, c'est comme un scanner. Tu passes la plume sur la ligne, puis la plume te lit. Qu'est-ce qui se passe sur ton document. Ça n'a pas été un tourbillonné de ce temps-là. Non, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est tous des outils comme ça qu'elle avait besoin, mais qui coûtent de l'argent. Ouais, j'imagine, c'est pas cheap. Ça fait que Neil Squire, puis la Société des timbres de Pâques, on travaille conjointement avant, conjointement maintenant, c'est-à-dire parce qu'avant, on avait détecté ce gap-là, on avait détecté ce trou-là que les étudiants attendaient 4, des fois 5 mois avant d'avoir les équipements. Ouais. Et là, ce 4-5 mois-là, il manque une base à quelque part. Mm. On peut se permettre maintenant d'enseigner pratiquement tout de suite avant que ça y aille trop loin. Good. Ça fait qu'on a comblé quand même un trou là, qui existait, une zone grise qu'il fallait combler. Comblé quand on tombe entre deux chaises. Ah, c'est plus rentable. Ouais. Mais les systèmes ne sont pas parfaits, tout le monde fait le mieux, mais c'est important de quand même essayer. C'est qu'on a essayé de remédier ce problème-là avec Neil Squire, puis aussi la société des timbres de Pâques. Ouais. Timbres de Pâques. Donc, c'est pour ça que José a eu son équipement et plusieurs autres personnes dans la région aussi, je dirais. Donc. Avant l'année scolaire. Au début ou avant? Okay. Ouais, au début ou avant l'année scolaire. Mm-hmm. Dans le cas à José, on a été chanceux parce qu'elle pouvait commencer sa formation. Anytime. À l'heure et à la date. Oui. Ouais. Wow. Ça fait qu'on s'est enlignés tous les deux à donner la formation, avoir son équipement, puis dire, regarde, est-ce que tu es prête? Mm-hmm. Si tu es prête, on commence. À un moment donné, elle dit, je suis prête. Ça fait qu'on a commencé, elle a commencé sa formation, puis je pense que ça a donné un coup de main. Hein. On commence à être un petit peu short dans le temps, puis je ne vais pas oublier de faire l'exercice que tu nous fais faire. Mais non, juste avant ça, j'aimerais juste nous dire, avec les outils, puis avec ce nouveau cours-là, qu'est-ce que ça l'a fait comme résultat? Le fait que j'ai fait des notes que je ne crée pas en cours, comme de mon bloc-1. Je termine en fin janvier, puis... Je vais en cours checker mes notes du premier bloc. Là. Ça ressemble à quoi si tu veux pas te gêner? Des 90. Ouh! Ben, fait, que ça, fait que ça a jamais été ton cerveau. Hey, c'est pas une modification de la chute, là. Mais tu sais, comme avec des outils. Oui. Puis le coaching. La technologie adaptée sert à quelque chose. Oui. Puis ça doit faire quelque chose pour ta confiance. Puis ça doit faire. Quelque chose pour ton sens de la justice, tu sais, que t'as longtemps cherché, filé pas compris, filé que tu forces plus que tout le monde. Pis... Oui. Ça reste toujours qu'il faudrait toujours que je mette toujours plus de temps que quelqu'un normal. Ouais. Mais avec tous les outils, ça me dérange pas en tout, le mettre le temps sur plus. Ça me dérange pas en tout parce que je sais que si je mets plus d'efforts, je process mieux, j'en retiens plus ma matière, je comprends plus mes choses. Fait comme ça, ça me donne vraiment comme... Donne le goût de continuer. Une confiance, confiance. D'entreprendre des nouvelles choses ou de te lancer dans un projet. C'est pas parce qu'il y a du texte, des écrits. Tu as eu un positif dans ta vie. Ouais. Tu as eu un résultat positif. Tu as eu. Dans le fond, là, ton cœur, il doit être bon. Hein? Oh oui. Il doit être bon. Parce que là, j'ai un beau smile depuis que j'ai rencontré Zachary. Tu sais, il n'y a pas juste le coup de marteau que tu peux avoir sur la tête là, depuis toute ta vie. Il y a aussi la réussite que tu as le droit d'avoir aussi. Ouais. Et on est là pour ça. Ouais. On est là pour te donner un coup de main à ce niveau-là. En parlant de ça... Wait, go for it! Ah, OK. On a quelque chose... Lui, il nous attaque. Là. J'ai un exercice, un jeu de rôle. Mm.
pas drôle, mais peut-être que oui, par exemple. Un jeu de drôle. Dans ce jeu-là, je vais être un petit peu différent. OK. OK? Mm-hmm. Lorsque je vais vous dire, vous allez pouvoir tourner vos pages. Vous avez 3 minutes. Go. T'as aimé? Okay. Vous pouvez tourner. Yes, bon, qu'est-ce que c'est? 3 minutes. Ben, tu veux que je te... Moi, ça ressemble à une écorce d'arbre, une photo noir et blanc. Ben. Non! Ben, ok. Non! C'est pas ça! Moi, c'est. Aristocrate. Bon, peux-tu les montrer juste? Non, on dit quoi? Oui, tu peux te montrer. Mais ça t'enlève du temps quand tu fais ça. Ben oui, mais je sais que je vais faire le pareil, c'est ça le but. Moi, je vais comme c'est la map, c'est la terre. C'est la terre. Ouais. Oh, t'es bonne. C'est ça que c'est, Mel? Non, c'est pas ça. Oh, ben t'en as! Pierre, si je te donne 20$, comment vas-tu pouvoir le trouver? Hey, t'en prends un six-pack, c'est ça? Non, c'est pas ça. Concentrez-vous. Okay. Vous n'êtes pas motivés, les filles. On n'avait pas en classe. C'est ça qui vit. Vous n'êtes pas motivés. C'est ça qui vit tout le temps. Hey, on n'arrive pas à trouver. Là. Ils voient comme ça, les autres. Là. Ben, tournez la feuille, pour l'amour du bon Dieu. Tournez l'aide. Ben, écoute... Faites votre possible. Gros, ben... Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Tu veux pas ça, toi? La Méditerranée, c'est? Non! Mal est à gauche, c'est ça! Il a dit c'était pas de mort! Il a dit qu'il n'a pas de mort! Moi, je le vois tout de suite, là. Tu le vois, OK. Ben moi, oui, je le vois. Ben moi, je le vois sur ce sens-là. T'es donc bien dommé de pas le voir. Excusez, c'est juste... T'as peur parce qu'elle se prend. Oh, la violence! Bon, ouais. Tu le disais que t'as! C'est bon? Écoute, Charlie, avoir persisté. Oui. Ok, t'as fini, Charlie. Ah, Charlie. T'as fini. Fais-tu 3 minutes? On s'en fout. Gosse. Ah. On s'en fout. Bon, mais donne-moi 0 d'abord. Oh, ça, t'aimes pas savoir ça. Ça me vole pas. Pardon, ok. Ce que j'ai tenté de faire ici, oui. J'ai tenté de vous mettre dans la peau d'une personne dyslexique avec un certain document à lire ou un certain travail à faire. Mais si vous ne comprenez pas votre travail, même si j'arrive puis je dis, je vais te donner 20$, Charlie. Ah, c'est ça que tu avais fait avec elle. Ouais. Je vais te motiver. Je vais essayer de te motiver. C'est pas un manque de motivation. Mais c'est ça. C'est pas un manque de motivation. C'est un manque de coaching. Ouais. J'ai préparé ici le même document. OK. Avec un peu plus de coaching. Ben, voyons donc. Non, j'avais jamais vu ça. Là, je m'excuse, là. Attends, on va lui montrer, là. Une vache, t'as pas slack. Est-ce que je peux vous demander de présenter les deux, un à côté de l'autre? Ah, oh, j'ai... Donc, qu'est-ce qui est arrivé vraiment? Je l'ai zoomé, monsieur. Ben, tu m'as tracé, là. Je peux te les envoyer aussi. OK. Ouais. Donc, Là, je vis ton corps. Oh, Lien, c'est comme un Magic Eye. C'est comme faire Magic Eye. Ah, j'ai loué! Puis une fois que tu loues, tu ne peux plus loin. Fait que moi, je pensais que c'était vraiment rien. Oui, tout, je pensais que ça pouvait nous stresser, là. Je pensais qu'il y avait du vrai. Ouais, mais bon, moi, je pensais qu'il n'y avait vraiment rien sur l'image. Tu sais, c'était juste comme... Malade! Wow. Vous avez vu tout le monde? J'ai subi de l'intimidation. Non, mais en plus, nous, on n'a pas toute une classe, on n'est pas en polyvalent, puisque là, on se fait dire ça en avant de nos peers, puis nous ont fait comme pas. Ça. Oui, attends qu'on se toque là-dessus. Non, mais c'est vraiment une barre. Ouais, là, on est vraiment, là. C'est... Donc, malade. Vous avez vécu, qu'est-ce que Josée a vécu pendant X nombre d'années? Viens, je te lève mon chapeau, ma fille. X nombre d'années. Je pense que j'en ai lâché avant. Puis Mélissa, là, t'as été... Regarde la vache, je suis pas ici. Tu as été une personne agressive. Tu as été une personne qui a abandonné. Mais pourquoi? Parce que tu t'es senti probablement rejeté, tu t'es senti... Sous pression. Sous pression, justement. Puis là, hey, c'est moi qui vise, là. Non, je peux plus. Moi, tout. C'est un peu qu'est-ce qu'on a vécu... Tu nous as fait, t'as fait vraiment une bonne job à montrer comment que ça peut filer pour quelqu'un qui a des troubles d'apprentissage. Puis même si quelqu'un veut vous donner de l'argent pour mieux apprendre, même si quelqu'un t'a dit « Hey, t'es pas utile! » Non, c'est arrête ça.
Avec ça. Ces formes-là, c'est parce qu'il y a, une croyance en quelque part que c'est soit quelqu'un de lâche, ou c'est soit quelqu'un qui a besoin d'un peu de push, ou c'est ça. Comme, tu sais, c'est tout des stigmas de rattacher avec tout ça. De la gâterie. Ouais. Et pourtant, est-ce que Josée a travaillé pendant toutes ces années-là? Mais oui, doublement. Oui. Merci de partager ça, puis n'importe qui. Là, moi, je vois ça autrement aujourd'hui, là. Comme... Ouais. Puis en plus, là, avec le... Qu'est-ce qu'on va linker, là, comme si tu veux les lettres, là, ça va être capable de voir voici ça. Voici la belle image de la vache. Ben oui, de chier la pas, celle-là. Mais, tu sais, j'aimerais juste, comme, parce que là, on manque un petit peu de temps, mais c'est comme, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Peux-tu juste, si on peut laisser le mot de la fin à Josée, juste de nous dire un petit peu, tu peux peut-être bien... Dis ton message, mais tu peux résumer un petit peu ton expérience, les choses importantes pour toi, puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui passe à travers qu'est-ce que tu as passé. Dans le fond, c'est du courage. À un moment donné, tu le perds, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va t'amener un peu comme un lighter, genre, va te réallumer, puis va te dire, tiens, tu vas aller, tu vas continuer, tu vas faire, tu vas te rendre dans ce que tu veux te rendre. Puis, c'est pas parce que tu es dyslexique que tu peux pas atteindre. No matter what, que si tu veux te rendre. Si tu veux te rendre, ça a l'une. Mm-hmm. Tu peux te rendre. C'est juste qu'il faut que tu trouves le bon team pour t'entourer. Ouais. Puis c'est ça qui est un peu difficile parce que, comme, on s'entend que moi, des dyslexiques, j'en, ben, c'est comme, à part de moi puis des personnes alentour de moi, mais j'en connais pas une tonne. Ben, ils doivent normalement qui sont pas fait diagnostiquer, qui ont lâché l'école de bonheur, que c'est pas de quoi qu'ils vont parler d'eux, ils ont réussi à travailler alentour probablement de leurs conditions. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup, d'adultes maintenant qui vont se faire détecter, ben good. Qui vont passer les évaluations psycho-éducationnelles, puis ça répond à leurs questions. C'est pour ça, ok, c'est pour ça que je suis là comme ça. Ils reculent. Ah oh, ouais, ils font une rétrospection de leur vie complète. Puis là, ils s'aperçoivent que, my God, je suis pas tout seul, ouais. Puis en plus, il paraît qu'il y a une composante génétique, fait que c'est bon à aider à comprendre s'il y a quelqu'un de ta famille. Je pense que c'est-tu pas 50% de chance? Souvent, ça va, les parents, il y a un des deux parents qui l'ont. Ok. Ah. Et ça peut remonter des générations. Là. Ok. Puis il doit avoir des forces à un cerveau dyslexique aussi. Des forces? Oui, tu veux vraiment des forces. Oui. Parce que, tu sais, gars, si on pense même à l'autisme, qui ont c'est plus du côté social, ben ils peuvent avoir une grande capacité à créer des systèmes, puis des. Tu sais, ils ont une super intelligence dans quelque chose, mais c'est juste que le cerveau est programmé différent. Oui, ça doit être la débrouillardise, ça doit être mental. Mais la créativité, le big picture, la capacité à faire des connexions. Ils disent aussi que la capacité à faire des connexions pour personne d'autre vers elle. Parce qu'elles sont habituées d'aller chercher des affaires en haut, en bas. Tout le temps travailler leur dos puis faux d'une personne. J'aime pas dire le mot normal puis pas normal. Standard. C'est selon la courbe, la moyenne, on pourrait dire. Parce qu'il n'y a pas de normal et pas normal. Il y a juste la plupart... Le pourcentage des gens qui font ça de même. On est tous différents. Là. C'est quoi, tu dirais, ça serait quoi ta force, toi? Moi, ma force, c'est, je pense, d'avoir continué à, excusez-moi le mot, mais piocher, puis travailler, puis de continuer malgré que, oui, je me suis, à un moment donné, là, j'étais vraiment comme choquée, là, comme ça bouillait. Là, comme, il n'y a rien qui me. Tu sais, comme juste un snarlement de doigts me tapait ses nerfs. Ben, t'as fait 3 minutes, puis j'étais vraiment frustrée. C'est pis ça m'a fait enfiler. Comme j'étais assez beau d'appeler ma mère. Non, j'étais assez beau d'appeler ma mère, là. Elle dirait ma mère. Mais quand vous autres avez fait ça, ça m'a fait rappeler de quand j'étais en classe, qu'on faisait les cartes de multiplication, division, de bout en ligne, là. Quand ça venait à mon tour. Hey, la pression, toi, tu devais l'avoir. Je parlais pas, j'attendais que l'autre donne la réponse. Puis après, je m'en allais en aller la queue ou que j'étais éliminée tout de suite. J'étais déjà la première éliminée, moi. Ou ben non, quand t'es en ligne, puis il y a un texte à lire, puis comme un lit un paragraphe, puis l'autre lit un paragraphe. Oui, c'est à ton tour, le troisième paragraphe, c'est à ton tour de lire à voix haute, à nouveau tout le monde. Et là, le cœur. Tu peux pas le lire. Non. Wow. Fait que si t'as un message pour quelqu'un qui nous écoute tout de suite, qu'il y a une difficulté d'apprentissage, c'est quoi tu lui recommandes? Un trouble d'apprentissage. Oh, excusez. Ouais. Un trouble d'apprentissage. On coupera ça. Non, mais c'est fait. Ouais. Non, parce qu'il y a du monde qui font mon erreur. Fait que c'est bon de le mentionner. Okay. Trouble. Oui. Fait que dans le fond, moi je dis que faut foncer, trouver une bonne équipe pour s'entourer. Fais sûr de quand ils disent oui, t'es dyslexique, oui, t'as droit à des outils, mais fais sûr qu'ils te donnent pas juste
Tiens, tes outils. Ouais. Ah oui? Va faire ton cours. Go. Non. Le coaching. Je veux les. Je veux les comprendre, mes outils. Je veux savoir que c'est que je peux faire avec ça. Qu'est-ce que d'autre? Tu sais, comme. Demander. Ouais. C'est quoi la différence qu'on va faire dans ma vie? C'est ça. D'avoir ces outils-là. Parce que, comme, on s'entend que WorkU, moi, avant que je l'aie, puis qu'il me le coach, on ne m'a pas que ça mange en hiver. J'avais aucune idée. Tu comprends? Mais une fois que oui, tu me dis le mot, mais tu m'expliques, puis tu me montres, c'est capté, là. Ben, c'est enregistré, puis de comme j'ai vu tout le temps mes outils, là. Mais tu sais, c'est logique pour moi, parce que quand tu vas, puis tu commences un nouvel emploi, là, tu peux avoir un mois de training avec quelqu'un qui te suit. Pourquoi quelqu'un se fait pour tes outils, pour apprendre tout le reste de ta vie, il n'y a pas un coach qui... C'est juste la logique des affaires, on le fait pour toi ailleurs dans la vie, mais pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais lorsqu'on arrive à... polyvalente, on arrive au collège communautaire, à l'université, on devrait avoir une formation comment apprendre. Pour ça, chacun son comment apprendre. Ouais. Ben, ça devrait commencer peut-être plus jeune pour les diagnostics, parce que tout c'était en maternelle. J'ai eu mon diagnostic dans l'été de fin maternelle, début première année. Okay. J'ai été vraiment diagnostiquée. Ouais. En maternelle, ils soupçonnaient qu'il y avait quelque chose, mais ils ne savaient pas exactement. Ils essayaient de trouver, mais il y avait... C'était difficile. Ouais. Fait que, parce que j'imagine aussi, tu sais, quand tu es en maternelle, tu apprends à lire. Fait qu'il y en a qui ont des problèmes de peut-être à lire, mais c'est pas parce qu'ils ont un problème d'apprentissage. Ouais, c'est juste une... Mais c'est pour ça qu'ils envoient les gens se faire diagnostiquer. Ouais. Pour trouver pas de problème. Quel trouble d'apprentissage qu'ils ont. Y a-t-il un âge que tu nous recommandes ou pour un parent, mettons, qui veut que son enfant ou... Moi, je dirais, quand ton enfant commence sa première année, puis il y a de la difficulté à, avec le B, avec le D, avec le P et le Q, le C, c'est le 9, le 2 et le 5. Quand il interchange ça, si je dis 52, ben, la personne va dire 25. Moi, je ne peux pas écrire mon nom, là. Tu fais que c'est difficile, là. José? Non. Tu ne peux pas écrire ton nom? Non. La ligne, là, parce que je veux, comme ça, je disais au début, ça tourbillonnait. Oui. Fait que la ligne de nom, là, pour moi, elle allait partout, là. Fait que là, j'écrivais un J, puis elle m'a dans le milieu, O, puis... Il n'y a pas de continuité sur la même ligne, là. Mais plus vieille, tu fais-tu? Oui. Ok, t'as appris à focusser, à ton cerveau. Oui, c'est ça. Parce que toi, puis là, si les gens veulent contacter Neil Squire aussi pour avoir des formations, peu importe, ils peuvent. Oui. Si jamais ils ont des questions à ce niveau-là, ok. Les informations. Là. De ne pas se gêner si vous avez des doutes. Je pense qu'ils peuvent aller voir un psychologue pour se faire diagnostiquer. Puis, au niveau Brunswick, c'est les psychologues qui font le diagnostic comme tel. Ça, il faut que ce soit référé par soit un professeur ou un psychologue scolaire. Au collège communautaire, c'est souvent des conseillers d'intégration communautaire qui vont envoyer les jeunes se faire diagnostiquer. Ok, all right. Eh bien, Serge, José, on vous remercie énormément pour apporter de la lumière sur un sujet qui touche tout le monde, dans le fond, parce qu'on a tout quelqu'un qu'on doit connaître ou qui a un enfant ou peu importe. Puis, faut pas qu'il se sente tout seul, puis faut pas qu'il reste collectif. Faut pas qu'il ait peur du diagnostic aussi. Faut pas que t'aies peur de la dyslexie, parce que c'est un gros mot qui fait peur, puis tu te dis, oh mon Dieu. Faudra jamais aller de sa vie. C'est quoi, c'est ça? Puis après ça, là, tu voyais sur Internet, puis on s'entend qu'Internet, là, il y en a, là. Il y a de la bonne information, puis il y a de la moins bonne information. Ouais. Mm. Don't Google your symptoms. Exactement. Puis tu sais, c'est juste de vraiment être sûr de. Tu sais, comme, si t'as un doute, ou t'as un doute pour toi-même, ou un membre de ta famille, ou un enfant. Va consulter, ça va changer ta vie. Parce que si tu n'as pas de diagnostic, tu ne pourras pas avoir des outils. Puis si tu n'as pas les outils, tu vas avoir de la difficulté à atteindre tes objectifs ou à tes buts ou tes rêves. C'est quoi le mot que tu utilisais tantôt, que tu disais souvent depuis que tu as les outils? Game changer! Là-dessus, on vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Till next time. Merci. Bye. Show your true colors. Bye.